Je reviens sur ce que j'avais déjà montré, parce que j'avais déjà expliqué sur ça et j'ai montré la preuve dans mes vidéos sur la table 9. Souvenez-vous, le Diable Bog. Le diable Bog existe réellement et c'est Marduk qui est Bog. J'ai montré la preuve sur ça. Et souvenez-vous que j'ai montré sur Sam Chisholm. Sam Chisholm est du Isis, c'est Astré. Et on a constaté que dans tout ça, là je vous montre sur le film donc qu'ils ont montré, qu'ils ont créé. Donc on voit l'année 2016. Mais là il faut comprendre que lui Marduk, il sait la vérité sur les sept cowboys. Il sait l'existence des sept cowboys du Isis. Et il sait surtout que c'est du Isis qui est les sept cowboys. Donc, là, il a faussé. Faussé, ça veut dire qu'on voit qu'il mélange, il a modifié, parce que j'avais montré sur Robichaud. Ce nom Robichaud n'est pas de Dieu. On voit, il a mis un Asiat dans le film. Les sept cowboys de Dieu Isis n'ont aucun lien avec les démons et n'ont aucun lien avec Asiat. Vous avez compris sur ça, vous de la lumière. Mais il faut comprendre sur ça. Lui, Marduk, il a mis le nom mercenaire. Souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça et que j'ai même montré la preuve. Mais mercenaire, ce nom mercenaire, n'est pas de Dieu. Ça ne se dit pas mercenaire. Donc lui, Marduk, il cache que ça parle des sept cowboys. Et les sept cowboys existent réellement. Et ont défendu. De ce qu'on vous parle, ils vous cachent qu'ils ont attaqué certains qui sont des tribus de Dieu Isis. C'est ça la réelle histoire. Donc lui, il a tout modifié, Marduk. Mais lui, Marduk, il cache sur les sept cowboys, donc il met les sept mercenaires. Mais ce nom mercenaire n'a aucun lien avec Dieu. Mais il faut comprendre que les sept cowboys, donc ils sont morts, hein, ils sont morts. Donc, mais ont combattu, vous avez compris, contre le mal. Et ont affronté le diable Bog, parce que Bog est Satan, qui est Marduk, diabolique et méchant et mauvais. Donc, qui a tué des innocents. Mais il faut comprendre sur ça. A tué ceux et ceux de Dieu. A tué aussi ceux de Dieu. Mais il faut comprendre sur ça. L'attaque qu'on vous montre dans le film. Là, Marduk, il a montré sur la réalité. Et c'est ce qui s'est passé. Que quand le diable Bog a attaqué, j'avais même trouvé sur ce nom-là, Rose Creek, lié au monde Horus. Rose Creek. Mais là, Robichaud n'a aucun lien avec Dieu. On a vu qu'il met Vasquez. J'avais montré sur ça, donc, bien sûr, non Vasquez. Donc, sur ça, n'a aucun lien avec Dieu Isis. Mais il faut comprendre sur ça. Il a tout mélangé. Ça veut dire qu'on voit certains noms qui sont liés au monde Horus. Et on voit des noms, mais qui n'ont aucun lien avec Dieu. Donc, il a tout mélangé. Il a tout modifié. Mais allons ici. Comme j'ai expliqué à vous de la lumière, parce que j'avais montré sur Dallas, le royaume Dallas de Dieu. Et dans ce royaume Dallas, c'est là qu'il y a les familles. Et j'ai montré la preuve sur ça. Erwin, Carrington, Capwell, de tout ce que j'ai montré. Donc lui, Marduk, il a usurpé, il vole les noms des familles qui sont de Dieu. Et de là, il crée ces séries 6-6 démons, qui sont démons. Et il met l'argent de la bête à sept têtes, son argent démon avec son pétrole démon. Vous avez tout compris. Et il maudit des noms divins qui sont les familles de Dieu Isis, puisque le royaume d'Alas de Dieu existe. Et j'avais montré ça. Mais ayez très crainte, les putes du Christ, les sept cowboys d'Isis, elles. Et eux, les sept cowboys, c'est Dieu Isis qui est les sept cowboys. Parce qu'ils ont eu la même révélation. Voilà ce qui s'est passé. Quand Dieu Isis, c'est Dieu Isis qui a fait que les sept se rencontrent et qu'ils ont eu la révélation. Mais déjà avant d'avoir eu la révélation de Dieu, ils sont liés avec le cœur. Mais lui, Marduk, il modifie, il fait croire que les sept cowboys seraient liés avec l'argent. Tout cela est faux.
Quand les sept cow-boys ont défendu et ont affronté le diable Bog, ils n'ont jamais fait ça pour l'argent. Il n'y a jamais eu d'argent. Ils ont fait ça avec le cœur. Souvenez-vous que j'ai montré sur ça. La définition de cow-boy. J'ai même montré sur Sam Chisholm, qui est Astré, qui est Isis. J'ai montré la preuve absolue sur ça. Et même sur certaines d'autres. Faraday. Souvenez-vous. Faraday, j'ai montré aussi sur Billy Rocks. Parce que tout qui vous trahit est Jack Horn. Souvenez-vous. Pour de la lumière que j'ai montré que Lucky Luke. C'est le Messie qui est Lucky Luke. Et qui a combattu les Dalton. Le nom Dalton, les Dalton sont les Indiens. J'ai montré la preuve absolue sur ça. La réelle histoire des Dalton, les Dalton définit qui sont les Indiens de Marduk. Non, Dalton n'est pas de Dieu. Et qui sont un clan, bien sûr, des Indiens. Et que Luke a affronté les Indiens et Dalton. J'ai montré la preuve sur ça. Et Luke est le Messie. Mais lui, il modifie et il inverse tout. Mais il faut comprendre que tout vous trahit, les salopes, les sales putes, les religieux du Christ. Tout qui vous trahit. Parce que le nom Bartholomew de votre sale pute, qui est Marduk, qui est le diable de la religion reptilienne, est là, les sales putes. Et que j'ai montré la preuve qu'on voit le nom Bartholomew. On le constate. Regardez bien ici. 24 août, là nous sommes sur le calendrier satanique de leur pute, la salope Jésus, avec la lettre S. Et ça c'est le calendrier satanique des rituels 666 de la religion reptilienne. On voit très bien le nom Bartholomew, les sales putes, les religieux de Christ. Le nom Bartholomew définit le diable qui est Marduk. Alors c'est quoi que vous racontez, les sales putes? C'est vos rituels qui sont là. Et le nom Sabbat qu'on voit n'a aucun lien avec Dieu. Vous avez compris sur ça. Donc ça fait le lien avec de tout ce qu'ils font. Rituel 666. Vous avez tout compris sur ça. Et le nom Bartholomew est lié à Marduk. Et qui fait le lien avec de ce qu'on voit ici? Regardez, Bartholomew, on le constate. Bartholomew ici, on le voit. 24 août, Bartholomew. En plus, Saint, regardez. S-A-I-N-T. Saint Bartholomew. Qui parle du diable, donc est très connu. Preuve de plus est là, sur les sept combats. Donc, quand Dieu Isis a fait la rencontre, c'est elle qui a fait que les sept cow-boys se rencontrent. Et déjà, il y a ceux de Dieu qui ont été agressés par le diable Bog. Les sept cow-boys font l'oméga. Et qui donne 2007. Le 8 avril 2020, les sept cow-boys font l'oméga et qui donne 2007. Ils se sont rencontrés parce que c'est Dieu Isis qui a fait cette rencontre. Que les sept se rencontrent, mais pour combattre le diable Bog. Alors c'est quoi que vous racontez les sales putes en disant les sept mercenaires? Depuis quand mercenaires est de Dieu, les salopes, les sales putes? Vous cachez sur les cow-boys de Dieu? Donc, ayez très crainte. Votre fin fatale est là, les sales putes. Vous avez compris sur ça. Il y a la lune de Dieu. Vous avez compris sur ça. La lune de Dieu qui est là. Et qui va vous tuer? Les salopes, les sales putes. Ayez très crainte.